Hey, salut les amis, salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. Écoutez, moi ça va parfait. Alors là, je vais tester un petit jeu aujourd'hui qui s'appelle le Xing Guardian. Et je pars donc avec une balance de 410 € et je vais jouer à 12,50 € la partie. Alors pareil, c'est un petit jeu intéressant qui offre des bonus de partie gratuites et où on peut arrêter les rouleaux manuellement. Alors ce petit jeu contient aussi des jokers. Allez, feu, on va jouer donc à 12,50 € la partie. Voir s'il y a moyen de pécho des petits gains sympas. Ok, rien d'intéressant ici. Alors c'est un peu risqué de jouer à 12,50 € en partant avec une balance d'un peu plus de 400 €. En cas de plusieurs pertes consécutives, ça peut rapidement nous ramener à zéro. Allez, on va essayer quelques arrêts de rouleau. Hop, un petit deuxième et un petit dernier. Ça n'a pas servi à grand chose. Alors 50 centimes de gain pour 12,50 € de mise, c'est pas top. De toute façon, ça fait vite descendre la balance. Ah, comment il est tout ça. Ok, 30 €, pas énorme. S'il y a moyen de pécho le bonus, ça serait sympa, mais je suis peut-être parti avec une balance un peu légère, je vais peut-être pas pouvoir faire assez de partie pour pécho le bonus. Enfin, ça, on sait jamais avec ce genre de jeu. On peut rien prévoir à l'avance. Cacahuète, 50 centimes. Ah, petit bonus, donc un seul symbole. Il manquait malheureusement les deux autres. Ah, 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 surprise. Alors est-ce que je me fais espérer? Ben ouais, il m'a fait espérer là. C'était histoire de dire, on va peut-être vous le donner, mais... Surtout, ne vous arrêtez pas de jouer, continuez. C'est un petit peu un leurre pour le joueur. Alors, les 3 lions, ça fait pas énorme, 2,50. Ok, balance 206,50. On est quand même pas mal redescendu. Là, faut espérer que ce petit jeu se mette à donner des bons petits lots. Sinon, c'est un petit jeu au design plutôt un petit peu relax. Enfin, relax, quand je regarde la balance, la claque qu'elle prend, c'est pas trop relax comme jeu. Okay, pas énorme. Ah ah ah, surprise. Ben non, le petit jeu, il me fait espérer. Peut-être baisser les mises. Hop. Allez, à 10 €. Celui-là, la balance, elle a pris une sacrée tarte quand même. Ah. Alors, la bonne femme qui est apparue, qu'est-ce que ça va faire? Ok, c'est tout, rien d'autre. Eh ben, disons. Espérer un petit peu mieux. Ok, bah c'est pas énorme tout ça, ça fait des jolis symboles, mais quand on regarde les wins, bah c'est pas faramineux. Alors, oh bonus, je crois pas.
la balance a commencé à être en mode grosse part. Ok, 10 parties gratuites avec des rouleaux qui se bloquent. On va voir ce que ça peut donner. Dépasser ma mise de départ à quelque chose près. Alors on va quand même continuer le jeu histoire de pousser un petit peu. Bon, malheureusement on peut pas gagner des 500 ou 1000 euros à chaque partie bonus. Et bon, ça a quand même fait bien remonter la balance. C'est le principal. Il y a un petit cadeau. Non. Je me disais, est-ce que ce petit jeu va être très généreux? Mais c'était pas le cas. Allez, petit arrêt de rouleau. Un petit deuxième. Et jamais deux sans trois. Bon, bah, ça n'a pas été payant. Petit jeu au design un petit peu ensorcelant, mais alors, on va voir 10-60, pas énorme. Les deux petits symboles du bonus, mais il manquait le troisième. Balance 303, un petit peu quand même redescendu. Ok, 22 euros de gain. Allez, c'est le moyen de repêcher un deuxième petit bonus de partie gratuite. Je pourrais éventuellement dépasser ma balance de départ et m'arrêter de jouer. Mais bon, ça, on peut pas le savoir à l'avance, malheureusement. Alors, 257,25. Espérer.
sortir ici. Ok, 45 balles. 450, ça aurait été mieux, mais bon. Faut pas trop demander à ce genre de petit jeu. Je crois pas, c'est juste un leurre. Ah ouais, c'est juste un leurre. Alors, balance 258,65. Alors, on voit les trois symboles passer des fois juste à côté. Mais je pense qu'en appuyant sur le bouton stop, les symboles n'apparaîtraient pas sur cet écran. Ça, 50 balles. Hop, parce que quand on appuie sur stop, tac. Et voilà, les symboles, ils continuent à descendre un petit peu avant de s'arrêter. Enfin, je veux dire, les rouleaux. Alors, super gain ou super leurre. Comment ça fait ? €79, pas trop mal. Vais-je avoir l'extrême chance de me pécho un deuxième petit bonus? Ok, 16 € de gains. Moi, ça fait beaucoup de symboles qui flashent, mais les gains sont pas, sont quand même pas énormes. Alors la suite de ce petit jeu, est-ce que ça va payer ou non? Alors voyons voir. Alors pas de super lot pour le moment, malheureusement. Ok, 197, du coup on redescend. Alors on va faire des arrêts de rouleau manuels. Deuxième, hop. Allez, un petit troisième qui a servi à rien. Voilà, ça fait quand même un petit moment que je me bats à jouer avec cette petite machine à sous. Mais à part une partie de bonus gratuite qui a pas mal payé, le reste, on peut pas dire que c'est que ce soit super payant. Voilà, 12 €, c'est pas énorme. À 10 € la partie, bah, ça fait 2 € de bénéf. C'est pas des petits gains comme ça qui vont éventuellement faire monter la balance. Allez, 24 €. Je crois que ce petit jeu, je le sens mal. Balance restante 116,85 €.
pense pas qu'on va quand même aller loin avec ce petit jeu. Sauf extrême chance, mais il me donne pas des super gains très élevés quand même. De l'espoir, histoire de dire quelque chose. Alors pour le reste, 1,60, pas énorme. De toute façon, là ça sent balance 68,25, ça sent la perte. Un petit coup de chance, ah oui, peut-être, un petit coup de chance. Il m'a fait espérer, franchement, mais ça aurait été un petit bonus de bienvenue, hein, parce qu'avec une balance restante comme ça, on va pas aller super loin. Voilà, on arrive sur les dernières parties, partie de l'espoir, de la dernière chance. Ok, merci du message. Pas assez de pognon pour rejouer. Alors 6,65. Hop, on va baisser les mises à 5 euros. On a vraiment un extrême coup de chance pour qu'on puisse remonter. Ok, balance 2,15. Alors 2,50, j'ai pas assez pour jouer ça. 2 euros. Allez, c'est parti. Un petit bonus de l'espoir pour me faire remonter, mais même pas. Alors 35 centimes. Eh ben non, mise minimum 50 centimes, du coup c'est foutu, voilà. Ouais, sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo explicite vous a plu, comme quoi c'est vraiment très difficile et très rare de gagner avec ce genre de petit jeu. Bon, des fois on peut être chanceux, se pécho les bonus ou des super combinaisons gagnantes, mais des fois comme celle-ci, on peut se faire torcher très très rapidement, voilà. Ouais, sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous souhaite donc une agréable après-midi, et je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines parties avec le gratteur fou. Allez, ciao ciao tout le monde!